Je suis Thierry Abalea, directeur technique chez Fluo. Fluo, c'est une start-up dans l'assurance, chez qui on pratique le monorepo. Alors, traditionnellement, de manière classique, on a tendance au sein d'une entreprise à avoir plusieurs repositories, et notamment un repository par application, si on fait du microservice. On en aura un par euh, microservice. Alors, on va voir quelques euh, problèmes que, ça, que peut poser cette approche-là. On a notamment euh, le problème dit de dependency-l, dans le sens où les applications dépendent de bibliothèques, qui elles-mêmes dépendent d'autres bibliothèques, qui ont des euh, versions différentes. Et on pourra avoir des soucis si on a une même bibliothèque euh, qui, dans le graphe de dépendance, euh, Nécessitera deux versions incompatibles. Alors, on est censé avoir le sémantique versioning qui nous aide dans cette euh, gestion des dépendances. Et notamment, le sémantique versioning, c'est donc on a un major, mineur et un patch. Euh, on va incrémenter le major lorsqu'il y a des, des breaking changes. Si c'est de nouvelles euh, fonctionnalités, ce sera le mineur. Et pour les bug fixes, euh, le patch. Alors là, vous avez. Un graphe de dépendance relativement simple. A dépend de B et de C, et B et C dépendent de D. Alors on parlera de dependency diamond problème, diamond lié à la structure du, euh, du graphe, et on aura un problème si B et C dépendent de versions incompatibles, le majeur est différent, et on aura du coup une résolution impossible si on souhaite construire A pour avoir une seule version. De la dépendance de D. Du coup, la solution sera de changer la version au niveau de B et de passer D en version 2. Le problème là-dessus, c'est que B n'a jamais requis la version 2. Donc on se retrouve à, à bumper les dépendances alors que ce n'est pas nécessaire. Là, j'ai pris euh, sur semver.org, qui est censé donc décrire ce qu'est le semantic versioning, c'est même la spécification. Nous expliquent pourquoi utiliser le semantic versioning, ils nous disent que ça a pour but d'éviter de cascader euh, les montées de version quand on fait un upgrade euh, sur une bibliothèque de code. Là on voit que ça échoue un peu. Euh, D'ailleurs, Rich Hickey, le créateur de Clojure, dira qu'en fait le semantic versioning est un mensonge dans la mesure où on se retrouve de toute façon à bumper. Pour ceux qui font du JavaScript, euh, ils diront moi j'ai pas de problème d'avoir deux versions. Euh, d'une même dépendance, mais si vous faites du JavaScript, vous utilisez probablement un Shrinkwrap, un fichier euh, Shrinkwrap ou euh, yarn lock qui permet de fixer les dépendances parce que quand quelqu'un clone le projet, vous n'avez pas envie qu'il ait une version euh, qu'on monte en version même euh, mineure ou patch parce que ça peut créer des problèmes. Donc vous vous retrouvez de toute façon à bumper les versions. Le euh, créateur de ZeroMQ, euh, Peter Inchens lui dira carrément que en fait les versions c'est le crack des, de, la, du changement, de la gestion du changement. Un autre problème comment on évite donc d'avoir des anciennes versions Vous avez imaginé à l'échelle d'une entreprise une bibliothèque qui est mise en partage à tout le monde et donc avec des, chaque équipe peut monter en version comme il le souhaite. Donc on aura forcément de très anciennes versions, si c'est un fixe de sécurité, comment on fait pour que, être sûr que chaque équipe euh, récupère ce, ce patch de sécurité On ne parle pas d'infra là, hein. je parle de, de, de code applicatif. Alors, un autre souci, euh, on a souvent recours à créer une branche euh, par fonctionnalité, donc de faire du future branching. Et donc, chaque équipe ou euh, chaque développeur travaillera sur euh, sa branche. Pendant un temps court, une semaine ou deux. Mais pendant ce temps-là, chacun aura sa vision du code. S'il souhaite récupérer euh, du code qui a été développé sur une autre branche, c'est tout de suite assez compliqué. Même s'il fait du, euh, du rebase avec le trunk, il se retrouve au moins à travailler sur des branches différentes. Et si vous êtes amené à vouloir faire une refacto qui touche l'ensemble de ces branches, c'est assez compliqué. Oui, il faudra passer sur l'ensemble des branches. Un autre souci c'est ou plutôt euh, quelque chose qu'on souhaite faire, c'est favoriser le partage de code au sein d'une entreprise. Euh, alors, il y a github enterprise, qui, a, qui, a, qui est arrivé dans certaines entreprises et qui a beaucoup aidé à la collaboration. seulement, github enterprise, c'est pas lui qui va vous faire découvrir ce que vous avez à disposition au sein de votre entreprise. ça se passera en dehors, à la machine de café ou autre. c'est un peu dommage de ne pas avoir une solution pour découvrir euh, ce qui se passe dans le code, enfin, ce que vous avez à, à votre disposition. Alors, on va parler du monorepo et de comment ça peut résoudre ce genre de problème. Donc, je vous propose ma définition. La stratégie monorepo, c'est l'intégration continue à l'échelle d'une organisation. L'intégration continue, c'est pas forcément comme celle que tout le monde l'entend. Là, j'ai repris un schéma d'un blog post de Martin Foller, qu'il a écrit récemment. Il reprend un une sorte de, de questionnaire. Euh, donc C'est Jess Humble, l'auteur de Continuous Delivery, expert sur le sujet, qui en conférence pose un certain nombre de questions et notamment demande si les développeurs pratiquent la Continuous Integration. Tout le monde dit oui. Tout le monde a un serveur d'intégration continue. Cependant, pour lui, l'intégration continue, c'est des développeurs qui commettent au quotidien sur une même euh, branche. Il parle de chair mainline, donc c'est le trunk, le master. Appelez-le comme vous voulez. Que chaque commit trigger le build et les tests et que on puisse rollbacker euh, facilement, revenir à un état stable s'il y a un souci. Alors pourquoi cette définition Martin Foller dit l'idée sous-jacente de l'intégration continue, c'est que euh, chaque développeur travaille sur une base de code qu'il ne dévie pas de celle d'un autre développeur. C'est aussi simple que ça. Alors certains diront ouais, mais ça c'est du trunk-based development. Pour Martin Fuller, Trunk-Based Development euh, et Continuous Integration, ce sont la même chose. Certains me diront, ouais, mais moi avec mes branches, je suis capable d'avoir ma CI, on merge l'ensemble des branches, je joue euh, euh, le, le build, les tests et je découvre les problèmes des de, euh, conflits. Certes, mais les développeurs travaillent sur des branches différentes. Donc on revient sur le problème de la refacto. Comment on le fait quand il y a du code qui vit sur différentes branches Alors, du coup, c'est quoi la différence entre monorepo et l'intégration euh, continue C'est qu'elle s'applique à l'échelle de l'organisation. Le monorepo, c'est vraiment l'intégration continue à l'échelle d'une organisation. Et pour moi, c'est une stratégie. Enfin, c'est avant tout une pratique, l'intégration continue, mais ça devient une stratégie quand c'est à l'échelle d'une organisation. Et surtout, euh, des euh, gens comme Google et Facebook considèrent que c'est euh, stratégique dans le développement de leurs produits. Alors, dans la pratique, c'est assez simple. L'ensemble. De l'équipe, euh, et quand je dis de l'équipe, c'est l'ensemble des employés, travaillent sur une même branche, le trunk. Personne ne travaille sur une branche euh, partagée. On s'autorise pour la, les releases d'avoir une branche de release. Si à une que qui remonte un certain nombre de bugs, ils seront fixés sur le trunk et on pourra faire des cherry picks pour les récupérer, mais aucun développeur ne travaillera directement sur euh, la, la branche de release. Alors, du coup, on peut se demander comment on fait des changements structurants dans un tel mode, le fait qu'on n'ait pas de branche. On va parler de branch by abstraction. Imaginons qu'on veuille passer de MySQL à Cassandra, un changement très structurant. Et bien, Vous avez probablement une couche d'accès aux données sur MySQL. Vous allez créer une couche de données pareille sur Cassandra et vous aurez une interface commune et vous aurez des futures flags qui vous permettront de passer. En prod, vous serez toujours sur du MySQL, vous ferez un passage progressif, mais vous serez capable de faire un changement structurant par ce biais-là. Une chose importante, c'est que l'ensemble des dépendances euh, soit dans une seule et même version, y compris pour des dépendances externes. Euh, à titre d'information, Google, ils ont énormément de projets en Java, ils utilisent Guava sur l'ensemble de leurs projets. Et ils ont une seule et même version de Guava pour l'ensemble de leur projet. Alors, il est important de, de différencier euh, le euh, monorepo et le fait d'avoir une application monolithique. C'est deux choses différentes, c'est deux problématiques orthogonales, et on peut très bien avoir une approche microservice euh, et de dans un seul repo. Évidemment, Google ne build pas l'application euh, euh, Google. Ils ont plusieurs services. Alors, donc, qui l'utilise bon, J'ai dit Google, Facebook, Twitter, Digital Ocean, Etsy, et Uber, qui sont connus pour leurs microservices, et notamment d'avoir plus de 8000 repos euh, Git, aujourd'hui, sur iOS, reviennent sur un monorepo euh, pour aider sur leurs problèmes euh, de gestion des dépendances. Alors, juste pour donner euh, un peu une idée de ce que peut être... Euh, Là, un mono repo, bon alors là c'est un exemple un peu extrême puisque c'est probablement le plus gros mono repo qui existe au monde. Euh, donc Google a, si on exclut quelques projets euh, comme Chrome et Android, ont un seul repo, 25 000 ingénieurs qui committent euh, dessus. Euh, ils ont 35 millions de commits depuis euh, le début de, de Google, 9 millions de fichiers sources et 2 milliards de lignes de code gérées au sein d'un seul repo. Donc on comprend bien que ça peut scaler. Les avantages, alors Bon, c'est évident que du coup, tout le monde partage la même vision euh, du code. Il n'y a plus cette histoire de branche, on ne se casse plus la tête à savoir de quelle version on parle pour, euh, pour un programme déployé, pour un, pour un fichier source. Le, euh, ça permet le partage de code et une réutilisation intensive dans la mesure où c'est extrêmement facile pour créer une bibliothèque de code. Il n'y a pas besoin d'aller créer un repo. C'est très facile pour les gens de, ré, de se réapproprier la bibliothèque. Quand Google a abandonné Google Reader, certains ont dit, mettez-le open source. Sauf que Google Reader s'est construit sur énormément de dépendances en interne, et de façon à pouvoir scaler très rapidement, développer et sortir le produit très rapidement. Après, certes, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas open sourcer facilement. La gestion des dépendances est évidemment simplifiée. Il hein, n'y a qu'une euh, qu seule version pour tout. Les changements euh, peuvent être euh, atomiques. Dans ce cas-là, si je fais un, une, euh, des changements cassants, en fait, je vais pouvoir changer les appels euh, sur euh, les, les projets qu'utilise ma et euh, je ferai un, un commit atomique. Et ça peut même être appliqué, euh, du coup, à l'échelle de l'entreprise. Google applique des refactos sur l'ensemble du code euh, Java, par exemple, ou euh, C. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de review au sein des différentes euh, équipes. Et euh, ça permet aussi de euh, faciliter euh, le travail euh, euh, inter-équipe. C'est beaucoup plus facile d'aller contribuer quand le code est au sein du même euh, repo, euh, surtout que la partie tooling, euh, build, va être, va être la même. C'est un peu une conséquence du monorepo. Enfin, pour ceux qui ont déjà entendu parler de la loi de Conway, qui dit que, en gros, nos architectures techniques sont liées à l'organisation humaine et en gros aux équipes. Le corollaire de ça, ça veut dire que, si vous voulez l'architecture technique, euh, une architecture technique particulière, vous allez devoir créer de la flexibilité au niveau de vos équipes, pouvoir les réagencer. Si vous avez si avec euh, différents repositories de sources ça va forcément pas aider à, à créer cette flexibilité. Enfin, ça aide à découvrir le code. Pour moi, ce que GitHub Enterprise, euh, là où ça échoue, c'est de savoir ce que j'ai à ma disposition. Imaginez sur un Monorepo, vous trouvez un dossier analytics, vous êtes capable de découvrir tout ce qui est dispo euh, disponible en termes d'analytics. Alors, les coûts. Euh, si vous devez monter en, euh, monter en version, par exemple, sur une dépendance euh, externe, ou si vous faites un changement euh, cassant sur une librairie à vous euh, et qui est utilisée par tous les projets, vous allez de devoir le faire d'un coup. Donc ça peut être compliqué. Suivant la taille de l'entreprise, vous pouvez avoir besoin d'une équipe pour gérer ce genre de choses. Et l'investissement dans le tooling peut être important. Euh, particulièrement si vous avez de très gros euh, monoripos, euh, Google, Facebook, Microsoft ont dû investir lourdement à faire scaler euh, par exemple Git et Mercurial. Euh, ils commencent à contribuer, à reverser à leur contribution en open source. Et donc bah, le, la, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez en profiter. Alors, quand l'utiliser ou pas euh, il faut évidemment que euh, votre entreprise, dans votre entreprise, l'ingénierie soit valorisée, qu'elle ait un bon niveau. Il y a peut-être des problèmes à fixer avant de passer au monorepo, et surtout avoir une culture de transparence et de collaboration. Si vous travaillez en silo, le monorepo ça ne va pas, ça va pas aider. Comment commencer Eh bien, euh, en fait, une organisation c'est un arbre d'organisation, et vous pouvez très bien en fait commencer au niveau d'un projet ou d'un département. Vous n'êtes pas obligé de faire un switch complet. Et puis. Euh, vous pouvez constituer le monorepo à partir de vos nouveaux projets. Merci. Si vous avez des questions, je suis, euh, je suis disponible.